Allez, let's go, c'est parti. Langage selection, language selection. It's time to go in English. Ok, c'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Vous me dites, hein, comme d'habitude, pour le son. Ok. Moi, je mets le son, attendez, je mets le son à balle dans mon casque. Voilà, je vais me mettre à hurler comme un ouf encore. Wouh! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Alors, je compte jusqu'à 6, c'est le nouveau jeu. On le découvre ce soir. Je vérifie. Alors, vous êtes... Ah, attendez! Ah, regardez! Je peux faire un truc. J'avais même pas vu. Putain! Putain, j'ai flippé avec l'ampoule! Ce jeu est super, tu as déjà vu, Jess? Ah bah super! J'ai très très hâte. Alors, attendez. Vidéo, on est en quoi? Ok. Je sais pas ce que c'est que ce truc, moi. Ouais, je vais laisser ça comme ça. On est bien. Ok, allez, c'est parti, let's go! On y va, on attaque! C'est quoi le jeu de ce soir? Le jeu s'appelle I'm counting to 6. To 6. Je compte jusqu'à 6. Point de suspension. Je sais pas ce qui va nous attendre, mais let's go. C'est parti! Alors, cette histoire est à propos d'un petit village. À première vue, il n'y a pas de différence entre les autres petits villages. Mais quelque chose s'est passé qui a changé la vie de toutes ces personnes dans l'histoire. Ok? Regardez et vous verrez le mystère, les envelopper dans un brouillard. Est-ce qu'on serait pas à Rennes-le-Château? Cette histoire est aussi à propos d'un homme qui a eu un accident pas loin du village. Voilà, et qui va avoir une influence sur les événements mystiques qui arrivent. J'ai eu le temps de tout vous traduire, ce qui est plutôt pas mal. Parti! Zut! Aide-nous! Nous n'appartenons pas à ici! Aide-nous! Ça fait mal! Ah, ma tête fait mal! Salut monsieur Agonos! Comment ça va? Bienvenue à toi! Téléphone ne fonctionne pas, je n'ai plus de signal! Allez, c'est bon, on est dans le jeu! Je pense que j'ai conduit jusqu'au village, je vais arriver trop en retard, ok? Ah, alors regardez! Alors, ok, je dois trouver de l'aide. Ok, super. Bon, bah écoutez, en tout cas, bienvenue à toi, Agonos. On commence ce soir le nouvel opus des Emika Games. Et bien évidemment, vous êtes sur la chaîne Midnight Nation. Allez, c'est parti. Oh, bah, le jeu est super joli en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, ça tourne hyper bien. Oh. Salut, monsieur Zarok. Comment ça va? Ok. Ok, donc là, pour l'instant, ça nous dit qu'il faut que j'aille là-bas. Moi, vous savez, des petits villages comme ça. Vous savez où... Salut, Looping. Comment ça va? Bienvenue à toi aussi. Bienvenue parmi nous. Bienvenue... Ouais, le jeu est très très beau. Eh non, je ne te snob pas. Allez, aidez-moi, aidez-moi. Je dois absolument faire un appel d'urgence. Pardon? Salut Doc Soldier, comment ça va? Ok. Ok, bon, apparemment, ils veulent pas que je rentre. Alors attendez, est-ce que je peux faire le tour de la maison? Attendez, on va essayer de voir. Ah non, je peux pas aller par là. C'est quoi ce cri? C'est pas moi qui le dis, hein. Alors. Ah, attendez. Alors. Nous devons protéger nos enfants. Ce n'est pas leur faute. C'était un accident. Oh merde. Putain, il y a une histoire de sorcière. Oh la vache. Regardez. On va faire semblant de croire, on va faire croire qu'on ne savait rien. Ce sera peut-être mieux pour nous tous. Je dois la trouver. Ah non. Si je la trouve, pardon. Ok. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Bon, apparemment, il y a... Bon, ça commence comme d'habitude, hein, vous allez voir. On va se retrouver...
Ah, attendez, attendez. On va essayer de retourner un petit peu. Est-ce que je peux avancer par là-bas, moi? Parce que pour l'instant, je sais pas du tout. Bon, lui, il veut pas m'aider, alors... Ok. Là, on est où, là? Ok. À vrai dire, je sais pas trop où aller, alors j'y vais. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Je sais rien, je ne sais pas dire. Alors, attendez. Là, c'est quoi? Bah, là, c'est fermé. Oh. Ah! Oula! Téléphone? 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 Attendez. Où c'est qu'il y a un téléphone? Il y a un téléphone dans la rue? Ah, cabine! Let's go à la cabine! Salut Trinity! Ah, merci beaucoup! Salut, comment ça va en tout cas? Bienvenue à toi! Merci beaucoup! Ça fait plaisir, c'est vrai qu'on accueille Trinity qui nous fait le plaisir d'être avec nous! Bienvenue parmi nous en tout cas! Merci beaucoup! Attention! Attention! Ok, ça ne fonctionne pas! Qu'est-ce qui fonctionne pas? En tout cas, installe-toi confortablement. Ce soir, on découvre ensemble le nouvel opus des Emika Games. Et on espère que tu prendras du plaisir à partager ce live avec nous. En tout cas, ça fait super plaisir. Salut Flo, comment ça va? C'est rien, c'est rien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Salut Myria Lune, comment ça va? Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Ah, attendez. Il va y avoir du cri hein, ce soir, je vous le dis, parce que tous ces jeux-là me font super flipper. Hein. Ok, ok, c'est qui lui? Attendez, c'est un mec ça? Il est mort ou pas? Oh bordel. C'est vrai, c'est pas faux. Alors attendez, qu'est-ce que ça dit? J'étais assis dans le bateau sur le lac quand j'ai vu le brouillard arriver qui descendait sur l'eau. J'ai essayé de nager jusqu'au rivage, mais je ne pouvais pas le voir. Finalement, j'ai enfin réussi à toucher le rivage. Et j'ai couru à la maison. Je suis arrivé à la maison et ma femme était glacée comme une statue. Et mes pauvres enfants étaient sans vie. Enfin, sans mouvement. Enfin, en gros, ils étaient canés, quoi. Je suis sorti de la maison en espérant pouvoir trouver de l'aide. Bon, a priori, ça n'a pas super fonctionné. Oh bordel! Bon, alors attention! Putain, commence bien! Putain, c'est qui m'a fait peur du coin de l'œil! Attendez, c'est qui ça? C'est la mort ou quoi? C'est vrai? Oh merde! Bon alors attendez, parce que là, c'est quoi ce truc? Attendez, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok. Ouais, c'est le nouveau Emi. Non, non. Et pourvu qu'il bouge pas. T'as été déco. Attendez, téléphone encore. Ok, ça me rappelle. Ah non. Au secours. Ok, c'est des voix qui me disent qu'il faut que je les aide. Et qui c'est qui va m'aider, moi? Attendez, y a un nouveau coup de téléphone. T'as l'air de venir de par là. Ok, let's go. C'est normal, Trinity. Ok, let's go, on rentre. Attendez. Moi, je rentre comme un malade, vous savez, dans une maison comme ça. Genre, comme si c'était la mienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, forcément, il n'y a pas un chat hein, dans cette baraque, quoi. Et je me... Ok. Je frappe à ma porte d'entrée, ouais, c'est que... Oh non, des... Oh, attendez, c'est quoi ça? C'est un mannequin qui s'est pendu? C'est pas sérieux, un mannequin peut pas se pendre. Attendez, on va retourner voir. Ok, let's go. Je crois que le mannequin, il est mort. Ok. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Je peux pas ressortir. Ok, je peux pas ressortir. Ok. Derrière, il y avait une peluche. Ah oui. Oh, regardez. Là, ça m'inspire pas trop confiance. Regardez. Alors, attendez.
Ok, je les avais prévenus. Tous ces petits enfants n'auraient jamais dû jouer avec... Quoi? J'avais prévenu ses parents. Ils auraient jamais dû... Oh là là, bordel. Ils me prenaient pour un fou. Bon, en gros... Ok, ça sent la catastrophe. Ça sent l'esprit, là. Vous savez, la sorcière qui sort de don de ses ou là. Qui va tuer tout le monde. Attendez, je vais retourner quand même là-dedans dans la maison. Il y a quelqu'un de pendu, mais moi, je pense que c'est un mannequin. Oh là là. Ça, c'est pas un mannequin qui crie, hein. Attendez, regardez. Ok, ok. Vous imaginez le pire accident de votre vie, quoi. Hello, hello, Grammers. Welcome. Welcome, my friend. Putain. Take a seat. We are in the new game. Attendez, je sais pas où aller. A votre avis, j'essaie d'aller par là ou pas? Oh, c'est quoi ce truc là-bas? C'est quoi ce truc de ouf? Ah, les graphismes sont incroyables, mais... Attendez, je pense que je vais crever. Ok, ok. Je voudrais qu'on accueille Grammers en tout cas. Oh. Ok. Les petites voix qui disent venez me sauver, venez me sauver. I hope you're fine tonight, today. My dear Grammers. And thanks for your presence. And we... We all love Pierre. Attendez, attendez. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. C'est un enfant. Salut Guyot, comment ça va? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah. Ok. Ok. Bon, je vous rappelle que je mets le son à fond, hein. Donc si je crie, c'est normal. Attendez, on a un nouveau petit truc. Tout ça, c'est de votre faute. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Oh putain, regardez, c'est le petit enfant qui dit ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin de ouf? Oh bordel, regardez. Mon ami était la poupée. Et vous vous moquez de lui? Vous moquez de moi? Vous avez tout pris, même l'amour de ma famille. Vous avez tout enlevé. Ah putain, vous allez vivre dans l'agonie pour toujours. Et rien ne pourra être changé. Je le sens pas. Je sais pas si c'est une histoire de Pinocchio, mais... Ok. En tout cas, grosse ambiance. As you see, Grammers, this game seems to be horrible. It's about children, fire, and witches. Ok, attendez, alors attendez, est-ce que je vais... Vous croyez que je peux entrer là? Oh là là. Oh putain, puis on rentre dans une maison. Ah l'horreur. À côté ambiance, c'est ouf, hein. Alors ce jeu, c'est I'm Counting to Six. C'est le dernier jeu des Imika Games, Guyot. Et ça y est, nous voilà dans la maison. Ah, alors on a eu quoi? The Heart of Darkness. On vient d'avoir un succès. Le cœur des ténèbres. Et ben ça, je le sens pas trop, hein. Alors attendez. Oh, regardez, on a un truc là. Ok. En fait, en gros, tout ce que m'a dit Lucas était vrai. Ils doivent payer pour ça. Je dois les punir. Regardez, petite poupée vaudou. Ça sent tout ça, ça sent le mysticisme. Ouais, les ambiances et Mika sont toujours un peu ouf. Préparez-vous à hurler, hein. Que vous soyez sur YouTube ou... Ok. C'est fermé. Et salut Ashuri. Hop là, la porte s'est ouverte toute seule. Ok.
Comment ça va, Shuri, ce soir? Bienvenue à toi. Bienvenue dans notre nouveau jeu de ce soir, un jeu Emika Games. Oh, regardez, lui est revenu. J'espère que tu vas bien en tout cas. Plutôt accueillante la bourgade. T'as vu ça, Istria? Tu sais, c'est le genre d'endroit où tu dis j'irai pas passer mes vacances, mais t'as pas le choix en fait. C'est le destin. Oh merde, attendez. Je m'en suis accroupi sans déconner. Putain, j'ai eu la trouille. Attendez, téléphone. Allô? Ok. Ok, qu'est-ce que je fais là? Je dois partir. Domino's Pizza, bon. J'aime pas les petits mannequins là. Vous les voyez ceux-là là? Ceux-là ils me foutent les pétoches. Ah, attendez, parce que maintenant. Ah non, j'étais accroupi. Ok, let's go. Ah, c'est bien ça, c'est bien ce qui m'inquiète, Looping. C'est que le téléphone fonctionne. C'est quoi ce bruit? Ok, alors attendez, il doit y avoir. Alors, sûrement un truc à faire dans là-dedans. Oh, vous avez vu? Ah putain, les mannequins, c'est les enfants. Je pense que les petits mannequins, c'est les enfants. Ok. Vous allez voir, je suis sûr de ça. On va faire un peu de ménage. Ah, attendez. Ah là, il y a un autre truc. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens ma poupée. Lucas, m'écoutez toujours. Lucas était mon ami. Bon, le gars, apparemment, il a une poupée qui s'appelait Lucas. On peut peut-être allumer les lampes, ouais. C'est vrai que c'est pas bête. Attends, on va regarder ça tout de suite. Mais c'est, ce qu'il y a, c'est que je vois aucun interrupteur. Hein. Alors, je pense que comme dans beaucoup de jeux, on va devoir probablement activer, vous savez, certaines choses. Et je pense que là, il n'y a rien à faire. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un interrupteur? Vous avez vu, il n'y a aucun interrupteur. Hein. Est-ce que vous croyez que je peux ressortir? Ok. Oh merde. Je suis foutu. Attendez. Toutes ces barres aux fenêtres ne présage rien de bon, il n'y a pas de sortie. Hey, salut Strawberry, comment ça va? Ouais, ça faisait longtemps. Je me faisais la réflexion en regardant le... en checkant le Discord. Comment ça va? Ah, ah, putain! Oh! Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Je vais pas être encore le seul à le voir! Oh, c'est la sorcière! Have you seen Grammars? Have you seen it? Or seen her? Vous l'avez pas vu? Non mais vous êtes sérieux? Ça va mieux j'espère. Oh la vache. Non c'est pas une araignée rouge cette fois. Ah, attendez c'est quoi ce bruit? C'est pas une araignée. Ok 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 ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Attendez, attendez, ça va venir d'où? Wow. Ah, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit qu'on aurait une ambiance de ouf. Oh, y a une tête. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est des vers. Regardez, il y a des petits vers. Oh là là, l'horreur. Attendez. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Ah, tu l'as vu, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouais, là, là celui-là, Akira, il fout plus les pétoches. Attendez, on a un nouveau truc à lire. C'est arrivé. Quand j'ai vu ce... Oh. Quoi?
Quand j'ai vu ce petit mec passer à travers la fenêtre, j'ai réalisé que quelque chose, que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Enfin, que je ne pouvais pas voir, pardon. Et je dois me le sortir de la tête. Oh, bah tant mieux si ça va bien. En tout cas, la santé, faut faire très attention. Ah, attendez, il y avait un mec là? Oh merde, la porte, c'est... Ok? Alors, je vous invite, sincèrement, je sais pas si vous êtes au casque ou pas. Moi, je suis au casque et à fond, mais c'est à fond dans mes oreilles. Et quand ça va hurler... Ah putain! Oh! Ok, ok! Hello, hello, Wolverine, comment ça va? Salut, c'est Selmir aussi, bienvenue à vous. Oh, bordel! Allez, bienvenue dans le nouveau jeu. Ce soir, on est... Attendez, attendez. On est sur le dernier Mika Game. Alors là. Ça fait 2 semaines que ma mère a disparu. Je n'ai plus de nouvelles. Attendez, attendez. J'ai pas eu le temps de terminer la lecture. L'officier à qui je suis allé parler, il m'a dit qu'elle était partie à cause de moi. Mais je sais qu'elle ne ferait pas ça. Elle m'aime trop. Quelque chose a dû lui arriver. Oh bah 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 bah, en tout cas bienvenue à vous tous. Hein. Si vous arrivez, installez-vous confortablement. On est... Ah non, non, mais là je le sens pas du tout non plus, Strawberry. Attends. Attends, attends. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah non mais, hé, Akira, c'est l'enfer. Je sais plus du tout où aller, hein. Bah là, on est déjà venu. Il y a la radio. Ok, ça, on l'a déjà lu. Ok. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vu encore? Oh, merde. Ah non, le grenier! Regardez! Ah! Ok, attendez, c'est l'échelle qui est là-bas. Je sais qu'il y a une échelle, hein. Attendez, bougez pas. Ouh. Putain! Oh non! Ah, regardez. Ok. Ouah, c'est jumpscare sur jumpscare. Une ambiance de ouf. Il y a une touche course, je sais même pas à quoi elle sert, sincèrement. Allez, on va mettre l'échelle. Ok, let's go. Attendez. C'est la version complète, cochet. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que cette poupée-là, elle me parle. J'en avais une chez moi, une comme ça, je crois, quand j'étais petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? J'ai pas le choix, super, j'ai pas le choix. Putain! Eh putain, mais le son est incroyable! Attendez, attendez, vous êtes prêts? Ok, ça fait 4 semaines depuis la dernière, depuis qu'elle a disparu. Lucas m'a dit que c'était la faute des enfants. Il m'a donné une lettre de ma mère. Et il sait que je, il a dit que je devrais trouver la vérité. Ok. C'est dehors, non? Là, là, il y a une note, là, vous voyez? Salut, mignon, comment ça va? Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Bienvenue pour cette séance d'horreur.
Putain! Oh, le bruit, il est hyper fort! Ok. J'ai fermé la porte. De 2, j'ai fermé les yeux. De 3, je me suis trouvé un endroit. De 4, j'ai arrêté de respirer. Ah, regardez! C'est là! Je compte jusqu'à 6. Et 5. J'ai. Mon cœur. Attends, c'est quoi? Je sentais mon cœur battre. Et 6. J'ai attendu. Rappelez-vous, à mon avis, il faudra peut-être faire ça. Fermer la porte, fermer les yeux, trouver un endroit, arrêter de respirer, sentir son cœur battre, et si ça tombe. Oh merde, faut que je saute. Ok, je saute. Non mais c'est... Putain. Je vous rappelle, je suis dans une toute petite maison, hein. Merci Myrialune, ça me fait marrer. T'as les 360 Akira? Bah super. Ouais, je compte sur vous pour me rappeler ce qu'il faudra faire. Hein. Ok. Attendez, mais là, il n'y avait pas la poupée, là? Il faut regarder aussi au plafond. Ok. Il n'y a personne qui veut habiter. Franchement... Facile, faut courir en hurlant à l'aide. Non, mais c'est clair. Attends. Moi, j'arrive dans un truc comme ça. Hop, hop, là. Bonsoir, les Raiders. Bonsoir à vous. Bienvenue parmi nous. Je voudrais qu'on accueille les Raiders et Mojo, toute la team de Mojo. Comment ça va? Merci beaucoup d'avoir choisi la Midnight Nation. Bienvenue à vous. En tout cas, installez-vous confortablement. Oh, regardez. Oh, c'est quoi cette pute? Comment ça va? En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Salut, Godo Guardana. Comment ça va? Bienvenue à toi, en tout cas. C'est les Mojo. Comment s'est passé ton live? Ça s'est bien passé? Salut Gadriel, bienvenue à toi en tout cas, bienvenue parmi nous. Bienvenue sur notre Midnight Nation, une chaîne d'horreur. On espère que tu vas bien en tout cas. Merci beaucoup. Installez-vous. Attendez, c'est quoi sans faire? Sympa la barbe? I know. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, bienvenue. Installez-vous confortablement. On est sur l'un des derniers jeux des Mika Games. I'm counting to 6. Et autant vous dire que là, on est un peu dans la pétoche. Salut Diablesse, comment ça va? Petit souci, je le crois, mignon. Pas de souci, pas de problème. Comment ça va en tout cas? Comment allez-vous bien? Bah écoute, ça va super. À part que moi, je suis dans une ambiance de folie. Oh putain, salut Diablesse. Bah écoute, comme je dis, ça va bien, sauf que le dernier jeu... Ah, attendez, regardez, c'est là. Oh, oh bordel. T'as la même en noir? Ça, c'est cool. Ok, en tout cas, prenez place, on est dans un jeu qui fout les pétoches de ouf. Si vous êtes au casque, faites attention parce que ici, ça crie beaucoup. Attendez. Putain, on a une sorcière qui se promène quelque part par là. Il y a une porte secrète. Je dois trouver un pied de biche pour ouvrir tout ça. Ok, let's go. Ça marche, Godo Guardana. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour la lore, ça fait plaisir. Putain, j'ai cru que c'était la sorcière. Ok. Et Diablesse, tu vas bien en tout cas? J'espère que toi tu vas bien aussi. Alors attendez, parce que là, on doit chercher absolument un pied de biche. Alors si vous voyez le pied de biche, n'hésitez pas, hein, vous criez, vous hurlez. On va essayer de trouver notre pied de biche quelque part, mais je sais pas où. Il doit... Oh, me dites pas qu'il il est au... Oh putain, pas dans le grenier, pitié. Pitié, pas dans le grenier, s'il vous plaît. Ah non, je suis enfermé. Faut déjà trouver la biche. Ah, attendez, regardez. Il y a un code. Alors, regardez bien.
to open the lock, use the hint. Ok, pour ouvrir les cadenas, il faut que j'utilise les indices. Ok. Attendez, vous croyez que je vais devoir appeler quelqu'un au téléphone? Je vais devoir faire l'appel à un ami, vous allez voir. Je vais appeler la sorcière. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ah là! Regardez la clé. Vous voyez, il disait à côté du téléphone, c'est pour ça en fait. Ok, mais maintenant que j'ai ça. Oh putain, je l'entends, elle marche dehors. Ça, je vous le donne en mille, ça va pas bien se terminer comme jeu. Je vois trop le truc arriver. Alors attendez. Là, je peux. Non, je peux rien faire, on est d'accord. Ok, alors attendez, ça nous disait quoi? La clé se trouve là. Ok. Ce qui veut dire que là, normalement. Et la clé, elle me sert à quoi? C'est ça l'idée. C'est la clé va me servir à quoi? Et là, je me pose la grosse question. Attendez, il y a un autre indice. Alors, regardez. Au niveau de la tringle. Ah non, au niveau de la porte. Attendez, au niveau de la fenêtre. À cet endroit-là, je le pense. Là? Ou là? Il n'y a pas encore. Mais attends, parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé plusieurs clés en fait. Attends, c'est peut-être pas la bonne. Putain. Ah, attendez, il y a une autre photo à choper. Regardez. Oh, c'est quoi tous ces enfants qui sont morts? Ah, ça marche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu transmettras le bonjour à Lise, il n'y a pas de problème. Ça marche Trinity, merci beaucoup d'être passé en tout cas, à très bientôt. À très vite en tout cas. Alors attendez, attendez, parce que nous avec tout ça, on va essayer de trouver où est, regardez, on a ce truc là. Alors là vous voyez, on a une fenêtre, regardez, pour ouvrir ça, vous voyez, on a une espèce de, vous le voyez, juste au-dessus des dents de la clé, ça doit être la tringle à rideau, et on dirait que c'est au... En bas à droite de la fenêtre. Sauf que là, il n'y a rien. Alors, on a... Ah putain, mais il y en a une autre là. Alors, attendez, ça c'est quoi ça? Ok, ça, il y a un autre truc, c'est dans le tiroir. Ok. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout, en fait. Ah, mais voilà. Regardez. C'est bon, maintenant je peux sortir. En fait, regardez. Ah putain! Oh, j'ai tout lâché! Oh, la trouille que je viens de me taper! Oh! Oh putain, j'avais pas vu la porte s'ouvrir! Oh la vache! C'est pas une tringle, c'est le radiateur! La trouille que je viens d'avoir, mais de dingue! Ok. Ok, ça, on l'a déjà lu. Alors, attendez, donc le radiateur, c'est pas le radiateur qui est là-bas? Là, regardez. Ok. Ah non, j'ai flippé sa race, mais un truc de malade. Elle est moche, mais de ouf. Ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment ou un autre, elle va nous rattraper. Alors, attendez. Il avait dit la gazinière ou je sais pas quoi. Attendez, là, il se passe un truc. Ah non. Putain, il m'a fait peur, lui! Ok. Attendez, parce que lui... Lui, il me dit de m'asseoir. Et je suis pas très chaud, là, pour le coup. Ah si, là, le pied de biche, en fait, regardez. Ok. Putain, tu vas être comme ça à chaque fois. Oh là, putain, horrible. Le pied de bitch. Ok.
Ah bah Gadriel, le jeu est ouf, hein. Ok. Let there be blood. Je sens pas du tout cette histoire. Ça va être de pire en pire, hein. Tu fais ton cardio? Bah écoute. Et aujourd'hui, j'ai pas mis le capteur cardiaque. Oh, regardez, ça c'est tous les petits enfants qui viennent me saluer, vous savez? Genre, on sait que tu vas crever, on sait que tu vas crever. Ok, ok. Y'a personne qui a envie d'aller là, non? Putain. C'est Monsieur le Grizzly, comment ça va? J'espère que tu vas bien, en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Moi, je suis en enfer, hein. Bienvenue en enfer. Bienvenue sur ce jeu de dingue. Ok, ah, attendez. Ok. Attendez, qui mange quoi là? Y'a pas un truc dans la cage, y aurait pas un truc dans la cage. Ah non mais le c'est un jeu de fou, hein. Ça marche Flo. Non, demain il y aura pas de live Flo. Oh putain, le mec il a tout donné là pour le sound design, sans déconner. Oh. Attendez, c'est quoi cette poupée horrible là? Oh là là, regardez. Oh là là, mais c'est quoi cette poupée horrible? Je dis non plus. Je lui ai pris un couteau dans la tête. Oh, là, vous la voyez? Là, vous la... Emma était dans la cage juste avant. Elle était dans la cage juste avant. Ah oui, c'est vrai, c'est des blessures. Regardez, regardez, elle est là. Mais je crois qu'elle... Attendez, elle est de dos ou elle est de face? J'avance pas. Je crois qu'elle est de dos. Elle va me choper, c'est sûr. Vous la voyez? On est d'accord que vous la... là, vous la voyez bien. Mais pourquoi elle pleure? Ah ok, c'est vrai qu'elle était là avant. J'étais pas trop sûr. Je croyais que c'était... Putain, attendez. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai un couteau dans les mains. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un couteau, moi? Ok. Attendez, on a un petit bouquin, un truc à lire. Ok, alors c'est Tycoon ou je sais pas quoi. Je comprends. Je comprends, je comprends si t'es fou de moi. Oh là là, j'ai toujours su que tu voulais avoir de vrais amis et que tu as manqué de communication avec les autres personnes. Oh bordel. Je ne pouvais pas laisser. Je pouvais pas laisser les autres approcher de notre famille. Et sinon ils auraient trouvé notre secret et auraient compris ce qui se passe. Ce qui s'est passé beaucoup plus tôt. Ça m'inquiète. Ça marche, Mojo. Merci beaucoup pour le... Merci beaucoup pour le lurk, en tout cas. Merci énormément. Tu as été si gentil avec moi. Et tu ne méritais pas ça. Je voulais le meilleur pour toi. Ma mère, ma grand-mère m'ont pris beaucoup de choses. Oh, bordel. Ils m'ont aussi dit de ne pas croire aux personnes. Ils avaient peur des personnes comme moi. Ça craint, hein. Ça craint sévère, hein. Ça craint, ça craint, ça craint. Ça craint. Ça craint. Oh là 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 là, bah c'est quoi ça maintenant? C'est une poupée clown. Attendez. Il y a une poupée clown sur le lit. Regardez, elle est horrible. Horrible. Regardez. Oh l'enfer. Ah!
Non mais attends, mais avec le couteau, je vais... Oh là ! Regardez, regardez. À l'enfer. Qu'est-ce que... Ah, elle se cache les yeux, mais attends. Elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut pas voir? Elle veut pas voir l'horreur... Oh là, bah attendez. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Ok. C'est par où? Par où je vais? Attendez. Je crois qu'il faut que je retourne par là-bas, en fait. C'est un piège. ça va aller, c'est le mien. Et regardez la porte, attendez. Au secours, c'est pas moi qui le dis, c'est les voix. On est là, on est là, on est là. Oh là là, mon dieu. Mon dieu. Ok, ok, tout va bien, tout va bien. Alors attendez, attendez, parce que là... J'ai fermé une porte, ok? Ah, deux! Je dois fermer les yeux! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce rôle? Trois! Je dois trouver un endroit! Quatre! Je dois arrêter de respirer! Cinq! J'entends mon cœur battre! Ok, ok. Autant vous dire, je me suis dit, il y a peut-être un. Je me suis dit, si le jeu m'avait entendu, alors ce que j'ai préféré faire, je me suis carrément arrêté de respirer, je me suis dit, au point où on en est, hein. Oh là là, attendez. Dites-moi, j'ai trouvé une lampe. Ah là, regardez. Une lampe. Est-ce que. Non, c'est pas une lampe, c'est une canette, merde. Je suis à la cave. Vous savez pourquoi je veux pas être là? Vous le savez. Vous savez que je veux pas y être. Attendez, je remonte. On remonte. Non, on redescend. Ok. Salut Nitrob. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Pardon, c'est rien. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur d'un interrupteur, c'est rien. Tout va bien. Comment ça va Nitrob? J'espère que tout va bien. Ah. Attendez, vous êtes prêts? Elle est là, hein, c'est sûr. Oh, attendez, une lettre. Ok. Six enfants. Ok, c'était des petits démons. Ils sont moqués de moi parce que j'étais trop sympa. Parce que je n'étais pas comme les autres. Oh, ils ont été... ils sont impliqués dans le meurtre de ma mère. J'en ai puni cinq. Oh, putain, je suis sixième. Je suis sûr que je suis le sixième. Ils voulaient tous rentrer à la maison et voir leur père et leur mère. Leurs parents ont trouvé leurs enfants sur le perron. Mais ce qu'ils ont vu, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Leurs enfants étaient mutilés. Ils devaient souffrir autant que moi. Oh bordel. Bon, on y trouve. En tout cas, on est sur un jeu d'horreur ultra efficace. Attendez. Allez, sorcière, quand tu nous tiens, sorcière, arrière.
Oh, elle est là. C'est sûr et certain, je vais approcher, elle est là. Madame? Attendez, j'ai un petit poinçon, je sais pas ce que je vais faire avec ce truc là, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un truc pareil? C'est rien, c'est rien. Qu'est-ce qui est tombé? Mais il y a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de petite part de vrai. Hein. Souvent les mecs ils utilisent un petit peu d'ailleurs. Putain! C'est toujours un petit peu le. Au moins une anecdote ou un truc, tu vois. Et j'espère que le gars il a pas vécu un truc pareil hein, parce que. Oh merde, je suis enfermé dans la cave. Oh, fais chier. Ah! Ok. Oh, je vais me. Je vais me retrouver dans la gaine d'aération. Ça craint. Ok. Oh là là. Putain, il y a un briquet là. Putain, je peux pas le prendre. Petite poupée horrible. Ah, j'en peux plus, Akira. Ah non, non, mais là, c'est de pire en pire. Regardez, elle est horrible la poupée. Attendez, c'est quoi ça? Ok. Oh là là, putain, mon cher fils, ne sois pas, n'aie pas peur de la mort. La mort est une renaissance, sans blague. Ou je suis une poupée peut-être. Tu en as vécu tant. Un nouveau cycle est arrivé. Laisse-les penser qu'ils t'ont battu. Je vais tous les détruire. Ok. C'est quoi ça? Je peux aller là. Putain! C'est rien, c'est rien. Ah bah moi j'entends des voix qui me disent viens ici et n'aie pas peur. Je suis pas trop sûr de bien le prendre. Oh! Oh, attendez, je me casse. Est-ce que je peux sortir au moins? Je ne peux pas. Ok. Bon, apparemment ils veulent que je reste là. Il y a une note sur le lit? Attends. Ah non, je peux aller là, regardez. Oh, c'est de pire en pire. Alors là, c'est le summum de l'horreur. On sent. Alors, tout se passe dans la cave, c'est l'enfer. Ok, donc là c'est bouché, ok. Attendez, là c'est bouché aussi. Putain, tout est fermé. J'adore cette maison, c'est ma maison préférée. De toutes les maisons que j'ai pu faire, c'est la maison que j'adore. Attendez. Ok. Attendez. Enfin, je vais devoir revenir sur mes pas. Ok. Non, ça passait pas, ouais.
Alors attendez, qu'est-ce que j'ai. Il faut que je fasse. Ici, il faut que je fasse un truc. Ah! Attendez. Une pince, ça? Un marteau? Non? Une scie? Non, pas une scie. Non? Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a un truc que j'ai dû. Ah! Ah non. Ok, madame. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Où j'étais, il y avait un truc là? Attends, dans le dos du mannequin peut-être? Ah là, regardez. Là, vous voyez. Je l'avais pas vu, putain, j'étais en train de regarder par terre et elle était là, la pince en gros. Alors attendez. Vous voulez qu'on aille à la pince de, à la porte de gauche ou à la porte de droite? Je sais pas du tout si on peut choisir, mais. Vous pouvez choisir la porte de gauche ou la porte de droite. C'est vous qui choisissez, allez go. Allez, un petit G pour gauche, un petit G, un petit D pour droite. Let's go. À droite pour Gadriel. Certains sont pas trop sûrs. À droite. À gauche. À droite. À droite. GG, merci. À droite, à gauche, à gauche. Oh merde. Oh putain, vous êtes pas trop sûrs là. À droite, tout droit. Tout droit, ça va être compliqué. À droite. À gauche, eh putain, à gauche. À droite. Bon. On a combien de droites là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je crois que c'est à droite. Hein. C'est à droite. Non, on va demander. C'est Gadriel qui l'emporte. Gadriel, c'est toi qui es arrivé la dernière. Où tu veux qu'on aille, Gadriel? T'as dit à droite. Est-ce que tu maintiens ton à droite? Dis-moi tout. Est-ce que tu maintiens à droite? T'as le choix. C'est, ma vie dépend de toi. Allez. Bon. Et si je meurs, c'est de la faute de Gadriel. Hein. Vous l'aurez retenu. Bon, Gadriel, t'es prête? Vous prêts? On y va? C'est parti. Prêt. Ok, j'avais le choix entre la gauche et la droite. Hein. Bordel de merde. Qu'est-ce que je viens foutre là? C'est encore pire. C'est des couchettes pour enfants, regardez-moi ça. Oh, la pire pièce de la maison, c'est peut-être ici. Hein. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un truc. Qu'est-ce que c'est? Non, je peux pas me battre avec des. Ok. Oh là là, c'est quoi ça? Il s'est coupé la langue! Il s'est coupé la langue! Attendez. C'est bien ce que je lis? Il s'est coupé la langue et il s'est cousu la bouche. Dites-moi pas que c'est ça. Il leur a coupé la langue. Ah oui, il leur a coupé la langue et il leur a cousu la bouche. C'est le dernier camp scout. On dit scout toujours prêt, bah là pas trop hein. Ouais, il a coupé notre langue, pardon, c'est vrai. Oh merde. Il a voulu jouer avec nous. Il voulait jouer avec nous. Enfin, il voulait qu'on joue avec lui même surtout. Il nous a dit de rentrer à la maison. Il a dit qu'il était désolé, sans déconner. Et il était temps. Attendez. Ah ouais, il était temps. Le temps était venu, pardon, pour que nos parents nous revoient. Autant vous dire que là... Ok. Gadriel, je te remercie pour tous les cauchemars que je vais faire cette nuit grâce à toi. Ils ont fait un effort d'écriture. J'avoue. Bah, c'est-à-dire qu'il pouvait plus trop parler. Hein. Allez, on va couper là maintenant. Salut Flingard, comment ça va? On filme pas ta chambre. Bah disons que c'est un peu compliqué. Comment ça va en tout cas Flingard? Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Attendez. On est dans un jeu de malade Flingueur. Ah, attendez. Ok. Oh, j'ai vu ce qu'il a fait à beaucoup d'entre nous. Oh putain, elle est là. Vous l'entendez ou pas? Elle est là, hein. Elle est pas loin. Hein. Il avait pas le temps de se cacher, c'était horrible. Ok, il a dit qu'il y a... Quoi? Il a dit qu'il nous retournait dans, à nos parents comme ça. Oh, en tout cas, on est tous mutilés, on est tous...
Oh là bah regardez, il en a tué combien sans déconner? Qu'est-ce qu'il a fait à tous ses enfants? Enfin, il ou elle parce que... Ça marche, Azura. Merci à toi en tout cas. Bon courage. Merci pour le lurk. Attendez, parce que là maintenant on va devoir aller là. Vous êtes prêts? Putain. Ok, tant qu'elle est pas derrière nous, ça va. Putain, mais hey, vraiment, un jour je vais jouer avec sans. Un jour je vais jouer sans le son. Vous savez quoi? Je vais jouer sans le son. Le son me fout. Je suis à... J'étais obligé de le baisser un tout petit peu là parce que. Ok. Là, vous croyez qu'on va là? Parce que moi, j'ai pas tellement envie, hein. Ok, let's go quand même, hein. Oh là là, ça sent le rite satanique. Ça sent le rite qui tourne très 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 mal en ma faveur là. En ma défaveur surtout. Un peu de ventoline. Ou une balle en pleine tête. Ça s'appelait Véronique. Allez go. Attendez. Ils me disent d'aller là. Enfin je crois. Ça, on l'a vu. Oh, maintenant, c'est le bouquin d'incantation. Oh, là-bas. Feuilletons le livre d'incantation. Faisons notre incantation. J'ai besoin d'un briquet des bougies. Ah, il me semble que j'ai vu un briquet quelque part. Ah oui, il était là-bas. Attendez. Ah, les mannequins sont partis. Ok. Tout va bien, alors. Ok, let's go. Ok, on est bien. Ok, j'ai des bougies ou pas? Non, j'ai pas de bougies. J'ai pas de bougies. Attendez. Je vous lis, mais alors, je vous assure. En fait, je vous lis, mais c'est, moi, je suis moitié tendu, là. Le jeu est tellement ouf. Je vous rappelle que je peux courir. Mais je vous rappelle que ça me sert à rien, j'ai l'impression. Sauf peut-être... Putain la trouille. J'allais rebondir sur la blague de Dark Shadow. Putain Dark, j'ai flippé sa mère. Putain, j'étais en train de lire le chat. Ok. Tout va bien. Oh attendez, parce que je sais même pas. Avec tout ça, moi je sais plus où je dois aller. Hein. Ok, attendez, on va essayer d'aller par là. Vous avez vu des bougies, vous, ici, ou pas? Non, là, il n'y a pas de bougies, il n'y a rien. Ah, j'ai peut-être pouvoir avoir une chance de remonter à la surface, non? Oh, merde. Désolé. Je suis désolé, putain. Non, mais on est en tension de ouf. Attendez, pourquoi je peux le prendre, lui? Attendez, pourquoi j'ai une action sur la poupée? Ah, mais jamais de la vie, je touche la poupée, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec cette poupée? Attendez, je vais le faire cramer ou quoi? Oh, pourquoi j'ai une poupée dans les mains? C'est parce qu'il fallait une poupée. Putain, moi je me suis arrêté aux bougies, Istria. Attendez. Chut, mais merci de me le rappeler. Ouais, j'ai lu le message, Nitrom. J'ai lu le message. Attends, on le relit au cas où. Ouais, si, c'est avec les 6 enfants là. Il en a buté que 5 et tout. Putain, l'enfer. Ah, attendez. Ça veut dire qu'on a loupé. On a la bougie. Enfin, on a les poupées, pardon. Oh, putain, je suis en tension de ouf. 107. Attendez.
Est-ce que vous croyez? Ça, c'est pas des bougies, non? Non. Attendez, vous voyez des bougies quelque part, vous? À moins que je puisse poser la poupée quelque part, là, sur... Ah non, faut vraiment... Putain, il en vaut plein, des bougies, regardez. Je pense que c'est ici qu'il se fait le rituel, non? Putain, je vous assure, je suis pas trop, trop fan hein, d'avancer dans la baraque. Bon, attendez. Attendez. On va essayer de comprendre où on doit aller. Putain, et le dernier cri, là, il m'a... je me suis tellement... tellement contracté. Je me suis fait moitié mal, là. Attendez. Attendez. C'est le gars. Je me rassure comme je peux hein, quand je vous dis d'attendre parce que. Là, il n'y a rien. Ça, ça sera un masque. Non, c'est une chaussette, ça en plus. C'est peut-être ma chaussette perdue. Ah, je peux fermer les portes. Je peux ouvrir et fermer les portes. Alors, attendez. Est-ce que là, on n'aurait pas des. Non? J'allais dire là-dedans. Oh là là, c'est quoi ces dessins horribles? Vous voyez des bougies, vous? Ah, je peux... Attendez, je peux peut-être ouvrir ça, non? Un ostéopro? J'avoue. Tu sais ce qu'il faudrait... Tu sais, il y a des streamers qui te font des sub-goals... sub-goals, comment ça s'appelle, pour du matos, tu sais... une nouvelle cam, un nouveau micro et tout. Moi, ça va être pour une chaise massante. Un fauteuil massant ou un truc comme ça. Ah, attendez, on a. Il faut que je cherche absolument des bougies. Ou une Minerve. Une Minerve, ça se tente. C'est moins cher, effectivement. Je l'atteindrai plus vite, je pense. Ah, attendez, ça, c'est une bougie, ça, non? Putain, je peux pas l'attraper. Ça va coincer la barbe. C'est vrai que c'est pas faux. À droite? À droite, attends, à droite du bureau. Là-dedans, là? Dans la pièce là, Gadriel? Putain, tu m'inquiètes parce que ça veut dire qu'il faut que je retourne là-dedans. Attendez. À droite du bureau. Ah, oula. Ah, ça! C'est pas des bougies, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des bûches. Putain, vous savez qu'il y a des bougies dans le jeu. Ah, il y a tout sauf des bougies, sans déconner. Là, il y a... Non, ça, on l'a déjà pris. Attendez, non. Ah, mais attendez, regardez, il nous manque un truc. On doit avoir une poupée, effectivement. Istria l'avait dit. Un bouquin. On est... Il nous manque le bouquin aussi, regardez. Putain, heureusement que je regarde. Ah, elles sont là, regardez, elles sont là, les bougies. Putain. Ok, vous avez bien fait de me faire revenir ici. Donc, attends, je vais placer les bougies. Oh ah, je l'avais ramassé, pardon, c'était le livre satanique, c'est vrai. Ah, je suis en tension. Resserrez. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ah bah voilà. Alors, pour une fois qu'un des héros a une parole hyper sensée, je dois ressortir. Ah, ça, c'est pas mal. Le gars, il dit quoi? Il dit, je vais ressortir pour tout cramer. On n'arrête tellement pas de se le dire, ça, qu'à chaque fois qu'on voit une maison comme ça. On est d'accord, Gabriel. Moi, un truc pareil, je sors de la baraque.
je fais tout flamber. Mais attendez, parce que bien évidemment, c'est sans compter l'esprit qui va pas vouloir que je sorte. Je vous rappelle que j'ai emporté aucun sandwich et que je vais crever de faim. Putain, je vais même pas crever du démon, je vais crever de faim. Attendez, à moins qu'il ait ouvert une porte, non? Ah, alors je peux peut-être repartir par là, non? Putain, je peux pas. Je veux bien, mais je repars par où? Go sortir le lance-flamme. Si j'avais un lance-flamme, le démon ferait peut-être moi le malin. Bon, attendez, c'est moi ou il n'y a pas de sortie? Non mais oui, mais attends, tu vois un truc, franchement un truc comme ça? Tiens, j'ai une question pour vous. Vous seriez à la place du mec? Vous seriez prêt à vous sacrifier pour sauver l'humanité ou pas? Imaginons, on vous dit ouais, c'est vous ou c'est le monde? Vous faites quoi? Ah. Ok. Attendez. Let them die. Anaïs, too much? Toi, tu sauves tes proches? Tu te sacrifies du coup? Anne, pardon. Enfin, Anaïs. Anne. La flemme. Sauver l'humanité? Perte de temps, il n'y a plus rien à sauver? Ouais, je suis assez d'accord. Tout le monde crève? C'est chaud, hein? Attendez, parce que là, ça me dit bien qu'il a bien dit qu'il fallait que je ressorte de là, mais je ressors par où? Sauve les licornes et la Team Good, bien entendu. Le reste, Osef. Moi, j'avoue, hein, c'est chaud hein, comme question. Hein. De sacrifier pour sauver les autres. Il y a une trappe au plafond, tu crois? Ah ouais, c'est possible, ouais. Attendez. Je peux peut-être ressortir dans la cuisine ou un truc comme ça. Salut Kiara, comment ça va ma chère Kiara? Bonne nuit Noobie, bonne nuit à toi. Ah, attendez, attendez. Par où je vais là? C'est quoi cet enfer là? Une trappe au plafond, attends, on va aller voir si je trouve une trappe au plafond. Attends. Ah, il n'y a pas de trappe sans déconner. Me dites pas qu'il y a une trappe encore dans la cave, dans le sous-sol, pour aller encore plus profondément. Est-ce que l'humanité serait prête à se sacrifier pour ça? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'à l'inverse? Attendez, peut-être que si je vais par là... Ah, là, attendez, il y a peut-être un truc à activer, non? Putain, je sais pas par où aller. Comment ça va, Kiara, sinon? Ça va mieux, le dos? J'ai pas de clé, hein. J'ai pas de clé. Putain, j'ai l'impression que je pouvais aller par là, mais je peux pas. Bah écoute, ça va super. On est sur un jeu de malade. Là, c'est le petit moment un peu, tu sais... Ah, regardez, ça y est, j'ai l'essence. J'ai l'essence, sauf qu'il y a un problème. Attendez, regardez, j'ai trouvé l'essence pour tout faire flamber. Le seul problème, c'est que je suis un peu dans la cave. Si je fais flamber la cave... Vous avez pas un peu l'impression que je vais y rester? Oh! Attendez, j'en ai foutu partout! Aie confiance! C'est bien là le souci. Ah, attendez, je crois qu'on a peut-être terminé!
Alors regardez, je crois qu'on a terminé. On est ressorti de la maison en tout cas. On a foutu le feu. Feu de joie. On rentre à la voiture, mais la voiture est accidentée. La fin, je la sens pas. Attendez, attendez. Criez pas victoire trop vite. Je sens pas du tout la fin. Il y a un chat en plein milieu. Salut petit minou. Attention, communication téléphonique. Ouais, la fin, je la sens pas. Faut un bidon d'essence. Attention, ok. De secours. Il y a une maison qui est en feu dans un village abandonné. Oh, attendez, je sens pas du tout. Appelez les pompiers. Ok. Ok, je crois que c'est terminé. Alors, j'ai regardé récemment un blogueur. Il disait qu'il il croyait pas dans les choses paranormales qu'il y avait dans sa maison. Malgré tout ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Ah, attendez. Il n'avait trouvé aucune preuve jusqu'au moment où il était arrivé au camp abandonné. Et pour être honnête, il n'y croyait, il croyait toujours pas. Après tout ce qu'il a vécu. Après tout ce que j'ai vécu et expérimenté, j'ai réalisé que le monde n'était pas aussi simple qu'il y paraissait parce que nous ne sommes pas seuls. Les entités sont toujours proches de nous. Ah bah attends, j'ai pas eu le temps de terminer. Bon. J'ai pas trop eu le temps. Bon. En tout cas, c'était plutôt cool. C'était une bonne expérience, dites-moi. La fin un peu short. Un peu short la fin.